Bonjour, alors on continue avec la collection Hachette Alien avec ce numéro 52. Voilà, collection Alien qui consiste à monter une grosse bébête ou un deuxième, ce qui nous fera un monstre d'1,20 m de haut. Et donc pour rappel, je ne monte pas ce kit, cette bébête. Je me suis abonné pour un ami qui est à l'étranger qui ne pouvait pas s'abonner de chez lui, et donc si vous voulez voir le montage de la bébête en question, eh bien je vous conseille et vous recommande deux chaînes amies sur YouTube, à savoir Chris Collection qui monte cet alien et monte bien d'autres collections d'ailleurs si ça vous intéresse, mais également le monde d'Ilmik qui monte l'alien quand il peut, mais tous les deux ont énormément d'avance sur moi, c'est normal, je suis très en retard, mais surtout on se complète parfaitement, puisque donc eux ils montent l'alien et moi je commente les textes qui sont dans le fascicule. Mais sans plus tarder, ce que je vous propose déjà, c'est de voir ce que donne justement l'intérieur du carton de ce numéro 52. Alors, carton de ce numéro 52. Les cartons sont toujours très gros en ce moment, c'est très très cool ça. Vraiment, je l'ai déjà dit, mais je pense qu'ils mettent les bouchées doubles. Alors d'un côté on a comme d'habitude des éléments pour monter, etc. Et on va quand même montrer ça. Ah bah, quoique non, il y a des éléments de. Je pense que c'est pour les doigts. Là, ça doit être pour les articulations. En plus c'est du métal. Des vis. Vous voyez comme quoi on peut se tromper. Et donc il y a un faux fond. Pas facile à dire, un faux fond dans ce carton. Et de ce côté-là, du coup. Ouais, c'est bien ce que je me disais. C'est une partie de la main. Il y en a peut-être d'autres. Non. Il y en a d'autres. Ok. Donc voilà, on en a fini avec ce carton. On va voir le fascicule. Alors, fascicule du numéro 52, la main gauche. Première pièce apparemment, puisque partie 1, Alien le retour, la version longue. La planète en bois d'Alien encore. Bon, donc ça c'est les pièces que je vous ai présentées. Apparemment ça se met quand même sur le bras. Ici c'est des doigts qui vont sur la main. Voilà, et ça sera certainement complété donc pour les prochains numéros. Alien le retour, la version longue, 6 ans seulement après sa sortie en 1992, le film de James Cameron revient dans une nouvelle version pensée par le réalisateur lui-même, avec 17 minutes supplémentaires de film. Celui-ci précise les intentions et le passé des personnages. James Cameron est passé maître dans l'art de revisiter ses propres chefs-d'œuvre et d'en offrir des versions augmentées qui, contrairement à des director's cuts classiques, n'invalident aucunement les montages originaux. Alien le retour n'aura pas fait exception à la règle. Les possibilités du laserdisc. Si la technologie existe techniquement depuis les années 70, le support laserdisc explose à l'aube des années 90 et devient le nouveau standard de qualité pour les cinéphiles les plus exigeants. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un laserdisc, imaginez un CD de la taille d'un 33 tours. Si vous ne voyez pas ce que c'est qu'un 33 tours, imaginez une pizza, une grosse pizza, voilà, et vous obtenez le laserdisc avec ses, comment dirais-je, couleurs chatoyantes, façon CD. Voilà, donc c'était ça, un laserdisc, et comme le nom l'indique, c'était un disque laser, mais qui contenait donc de la vidéo. Rarissime au format VHS, les éditions spéciales commencent à se multiplier, proposant non seulement un film dans une copie de grande qualité, mais aussi des suppléments en tout genre, commentaires audio, making of ou encore scènes coupées. Moi, par exemple, j'ai adoré les versions longues de Abyss, par exemple, avec des bonus de fou en laserdisc. C'est l'ami Sébastien qui me l'avait offert pour un anniversaire. Merci Sébastien. Et sinon, j'avais adoré les bonus de The Thing de John Carpenter, qui est un de mes films préférés. Et ça, c'était juste génial. Voilà. Donc, toujours très impliqué dans les éditions vidéo
de ses longs métrages. James Cameron décide donc en 91 d'exploiter les possibilités offertes par le Laserdisc avec le soutien financier du studio hollywoodien, alors en plein développement d'Alien 3. Le cinéaste supervise l'édition spéciale d'Aliens, Le Retour, laquelle comprend de nombreux documents exclusifs et surtout un montage alternatif du film, encore plus long que la première version Extended diffusée en 89 sur la chaîne américaine CBS. Ah donc c'était passé en 89 aux États-Unis, d'accord. Tragédie familiale. Les séquences inédites de l'édition spéciale forcent les fans du film à appréhender l'œuvre sous un angle nouveau. La première grande révélation intervient à la 8e minute de projection, rejointe par Carter Burke dans une salle d'attente de la station spatiale, près d'un mur holographique représentant une forêt terrestre. Ripley apprend que sa fille Amanda, qu'elle avait quittée alors qu'elle n'avait pas encore 11 ans, est décédée à l'âge de 66 ans, ne laissant derrière elle ni mari ni descendance. Cette scène très émouvante et relativement longue remet bien sûr en perspective toute la relation future entre Ripley et Newt, chacune trouvant en l'autre un parent d'adoption. Ça avait déjà été dit ou je vous l'avais déjà révélé dans de précédents fascicules. Une autre grande séquence restaurée concerne justement Newt. Son père, sa mère et son petit frère, après une présentation de la colonie Adler's Hope, ponctuée de superbes effets miniatures conçus par les frères Skotak, on découvre la famille Jordan à bord d'un véhicule d'exploration qui les mène aux abords du vaisseau extraterrestre, des relictes vues dans le premier opus évidemment. La séquence se termine par un drame. Après avoir laissé les enfants seuls pendant quelques minutes, Anne Jordan ramène son époux inerte, visage recouvert par un facehugger. Voilà, donc ça aussi je vous en ai parlé, et donc ce qui n'est pas dit, c'est que on voit donc effectivement donc la colonie Adler's Hope, mais surtout on voit des gens dedans, voilà, plein. Il était dit que de toute façon que c'était des familles et tout. Enfin bon, sinon une scène qui n'est pas essentielle, mais qui explique que bah ils n'étaient pas quand même à attendre tranquillement que les aliens leur sautent dessus. Les Sentinelles. Parmi les autres ajouts de l'édition spéciale, on pourra citer une double déambulation silencieuse à travers le vaisseau Sulaco avant le réveil des Colonial Marines, une présentation par Hudson de tout l'arsenal du commando, un jumpscare pendant l'exploration de la colonie, un moment d'hésitation de la part de Ripley avant d'entrer dans le bâtiment, quelques interactions supplémentaires entre Ripley et X qui révèlent s'appeler Dwayne, ou encore un échange très touchant entre Newt et sa protectrice qui lui explique avoir perdu un enfant. En termes de spectacle pur, Cameron restaure enfin un sacré moment de tension impliquant des canons sentinelles autonomes dont les chargeurs se vident dangereusement face à des nuées incessantes de xénomorphes. J'adore toujours leur intertitre. Hein. Chiffre clé 2h17. Pour la version cinéma, 2h34 pour l'édition spéciale de 90, 16 minutes 28 secondes de plus, 18 séquences inédites, 6 séquences incluses dans le montage de CBS. La planète en bois de Vincent Ward, on en a parlé au moins deux fois. Avant que David Fincher ne devienne réalisateur officiel d'Alien 3, le cinéaste néo-zélandais Vincent Ward travaille un temps sur le film, il développe l'un des concepts les plus originaux de sa saga, une planète en bois. Ouais, effectivement original, mais bon. Après quelques mois de développement sur Alien 3, le réalisateur finlandais Reni Harlin abandonne le projet, guère séduit par le script de David Tui, dont l'action se déroule dans un vaisseau prison. Le producteur Walter Hill conseille alors à son associé David Giller de visionner un film néo-zélandais intitulé Le Navigateur, une odyssée médiévale dans lequel un groupe de villageois anglais du XIVe siècle fuyant la peste se retrouve projeté dans la Nouvelle-Zélande du XXe siècle. Son réalisateur Vincent Ward est rapidement contacté. À l'époque, son sous, il vide dans le sous-sol du co-scénariste de son prochain projet, Cœur de Métis, et a dépensé toutes ses économies dans des voyages de repérage en Alaska. Lorsque le studio le contacte pour Alien 3, il déclare d'abord ne pas être intéressé avant que son agent ne le convainque de lire le script de David Tui. Il accepte puis refuse à nouveau le projet, expliquant détester l'histoire. On lui offre alors d'écrire un nouveau scénario. Cette fois-ci, il tombe d'accord avec le studio et prend l'avion pour Los Angeles. Durant le vol, ses réflexions sur l'univers d'Alien se mêlent à des recherches qu'il a récemment effectuées sur l'imagerie médiévale. À son arrivée en Californie, il a déjà couché l'histoire sur le papier, proposant plusieurs idées qui seront finalement conservées dans le film de David Fincher, ce qui explique son crédit au générique. De tout bois, le script de Vincent Ward prévoit que le vaisseau d'Ellen Ripley s'écrase sur la satellite habité par des moines trappistes appelés Minorites. X et Newt mourant dans le crash,
L'alien est considéré comme le diable par les moines et l'histoire tout entière est empreinte de concepts religieux. L'aspect le plus original du script réside cependant dans la nature du satellite, un planétoïde recouvert de bois. Les minorites forment en effet une secte opposée à la technologie. Il leur a été offert de s'exiler dans l'espace à bord d'un satellite équipé d'un minimum vital pour la survie. Ces moines remodèlent le planétoïde à leur convenance, le recouvrant d'une structure en bois afin de respecter leurs croyances. Vous imaginez quand même la quantité de bois que ça suggère. Enfin bon. Architecture gothique appelée Arcéon. Cet appareil creux fait environ 1,5 km de diamètre et recèle 16 étages d'une centaine de mètres de hauteur chacun. Cet intérieur structuré comme une ruche d'abeilles ou une fourmilière est subdivisé en différents espaces sculptés dans le bois selon une architecture gothique. Les moines ont réussi à y installer des vergers, des cultures de céréales et des moulins, ainsi qu'une cathédrale et une immense bibliothèque, toutes deux en bois également. Le chef décorateur Norman Reynolds est enthousiasmé par cette idée, qu'il juge très originale au sein de l'univers d'Alien. Vincent Ward le rejoint au studio anglais de Pinewood, où il est chargé de finaliser le script avec l'aide de deux scénaristes. Reynolds et d'autres artistes produisent une quantité non négligeable de dessins conceptuels afin de fabriquer les décors. Miller et Hill jugent que le script comporte encore trop d'éléments incohérents. Incapable de produire un scénario en bonne et due forme, Ward abandonne bientôt le projet et l'idée de la planète en bois est remise au placard. Et tant mieux, parce que qu'est-ce qui les empêchait de faire une planète, je sais pas moi, une planète en pierre. Voilà. Portrait. Vincent Ward, né en 1956 en Nouvelle-Zélande, diplômé de l'école des Beaux-Arts d'Ilam, Vincent Ward réalise plusieurs courts-métrages avant de se faire remarquer à l'âge de 21 ans avec le moyen-métrage A State of Siege, qu'il écrit et réalise. Durant 3 ans, il vit dans la région sauvage de Teurewera en compagnie d'une vieille femme maori et de son fils schizophrène, et tire de cette aventure le documentaire In Spring One Plants Alone, 1980, qui gagne plusieurs prix à travers le monde. Son premier long métrage de fiction, Vigil, s'inspire de sa propre jeunesse rurale, 1984, comme ses deux films suivants, Le Navigateur, une odyssée médiévale, 1988, Cœur de métis, 1992. Il sera sélectionné au Festival de Cannes, une première pour la Nouvelle-Zélande. Il rencontre son plus gros succès en 1998 pour Au-delà de nos rêves, puis développe et produit Le Dernier Samouraï, 2003. Avant de rentrer en Nouvelle-Zélande et d'y signer River Queen 2005 et le documentaire Reign of the Children 2008, devenu une éminente figure de son pays natal, Vincent Ward y recevra l'Ordre du Mérite en 2017. Et bah de tous ces films, je ne connais que Le Dernier Samouraï et Au-delà de nos rêves. Voilà. Un ciel peuplé d'étoiles mortes. Bon. Voilà, donc, bah écoutez, c'était le numéro 52 d'Alien. J'espère quand même que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur PayPal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis... à bientôt pour la présentation du numéro 53.